Le showroom des tendances, ça a été vraiment ce qui a attiré au départ lorsqu'on a lancé le concept en 2017. Les filles ne voulaient pas rater les petites pépites de nos exposants. Et forcément, le festival récupérant les codes même du concept de Ladies Break, c'est l'un des points culminants. On a un grand showroom des tendances. On a une très belle équipe au sein de la team Ladies Break avec Cathy, Axel, Karen et d'autres personnes encore qui sont chargées de l'accueil et du suivi des exposantes sur l'événement. Petit coucou aussi parce qu'on pense à Axel qui fait partie de l'équipe du Ladies Break Festival mais qui est aussi exposante et qui est exposante depuis les premières heures de la Ladies Break. Les exposantes ont une place aussi importante que les artistes dans le Ladies Break Festival. Quand elles arrivent, on a à cœur vraiment avec toute l'équipe logistique, toute l'équipe d'encadrement, de les chouchouter, de les accueillir au mieux pour savoir de quoi elles ont besoin, s'il leur manque des choses, qu'elles soient vraiment dans les meilleures dispositions. On prépare ça depuis au moins au minimum 3-4 mois, déjà pour appeler les exposants qui peuvent participer au festival. On fait un choix, on regarde bien en fonction des propositions des exposants qui arrivent. Et ensuite, après, on fait un guide de l'exposant qui permet d'avoir toutes les informations et de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Bon, après, il faut quand même essayer de cadrer les choses. Après, certains proposent des animations sur leur stand. Donc effectivement, il faut se préparer à des choses qui sortent de l'ordinaire. Je ne veux pas tout dire pour l'instant, mais voilà, il y aura des choses qui sortent de l'ordinaire. Et qui sont sympas. On insiste sur le fait que le stand doit vraiment, ils doivent apporter un côté girly, voilà, sur leur stand pour aussi se différencier par rapport aux autres, mais aussi pour que l'ensemble du festival soit vraiment beau, soit vraiment flashy. Tous ces paramètres sont étudiés dans le choix des exposants.